Elle était belle, cette maison, hein. Quel dommage. Mais elle ressemble à la maison du fils Nakash. Ça n'a rien à voir. Il habite en Alsace. On est en Bretagne. Suzanne, maison à colombage, choucroute et flamencuche, c'est quand même pas le même style que... Bah, que maison côtière, bolet de cidre et bigouden. Annick. Annick qui était un peu trop bigouden. Louise, il y a un problème là. D'accord. C'est nouveau ça. Non mais... Ah non, t'es une bigoudée d'Arsar. J'ai l'impression qu'une bonne partie de la population est cinglée ici. Bon écoutez, si on retourne sur Terre, on va retrouver nos bigoudaines, et puis on leur dit que sur Mars, eh ben y a rien. Nada. Et tenez, par exemple, hier, j'ai vendu une collection de timbres. Ridicule, non? Mais appelez-moi comme vous voudrez, une bigoudaine, un mercantile... Mieux que le sexe! Mieux que la fellation, 69, masturbation, tantrisme, brouette thaïlandaise, bigoudaine africaine! Ah, qu'il aille au diable! Ah, le salaud, faites confiance après ça, de bons voisins! Une canaille, un veau marin, une bigoudaine! Je veux dire, elle a pas dit, tiens donc, je mangerais bien hot dog, champignons, oignons, moutarde! Ou passez-moi la bigoudaine, non! Qu'est-ce que tu fais, là? Je rejoins Max à la soirée. Non, mais je te parle de ton machin sur la tête, là. Ah, c'est Max qui m'a demandé les bretons, tu sais. Il t'a dit de mettre ça, t'es sûr? Bah oui, t'étais là juste avant de rentrer. Il m'a dit... bigoudaine. Comme un code. Il t'a dit... bigoud Lorraine. Bah non, non. Merci. C'est un bon pour retirer un chien au chenil, les pas perdus. C'est ça, tu m'en prends chien? C'est lui, là, sur la photo. Alors, je suis tout de suite, il s'appelle Bigouden. Mais comme il est très jeune, tu peux changer de nom.